Salut à tous, c'est Amers et on se retrouve pour le troisième épisode de notre série Rome Total War. Alors nous étions quittés la dernière fois, nous venions de prendre Salona et on allait remonter notre armée sur Patavium. Donc je vais passer le tour. Déjà trois épisodes, hein, ça passe si vite. Oh, l'armée romaine verte est très très désorganisée, il y a beaucoup de troupes un peu partout là. C'est pas terrible terrible pour eux. Enfin moi j'aurais pas fait comme ça mais bon. C'est leur problème, c'est pas le mien. Prendre une communauté Patavium, bah justement c'est ce que je voulais faire. Donc ça tombe très très bien. Succès d'une mission du Sénat, recevez une île. Voilà. Construction terminée. Déclaration d'alliance, les Daci et les Scythes. Par contre de nouvelles phalanges. Je vais sûrement former de nouvelles phalanges. La statique, on va former 4, 5 nouvelles. Ouais, ça ne sera pas du plus. Midi à Lyon. Passer le toit, voilà. Et après je dirais réattaquer le port de Patavium. Ah bah tiens, ce que je peux faire c'est déplacer mon... Ah non, ça mettrait trop de temps. Ah putain, oh les mecs. Les mecs ils attaquent avec un... Un général à la con. Putain j'aime pas ça. Ils assiègent avec juste avec un... Avec une unité de quoi. C'est quoi, ça va être un membre de la famille, ils vont être 13, 14. C'est vraiment n'importe quoi. Au maximum 20. Ah non, je crois que c'était un gros celui-là, parce qu'il avait buté une de mes armées. Quoi, donc il va en avoir 20. Fonction sénatoriale attribuée, quester. Donc. Ah, donc en fait, si vous voulez, c'est que tous les je sais plus combien de tours, on peut être magistrat au Sénat. Donc là, j'ai le rang le plus faible, mais je suis dedans, donc ça veut dire que. Bah. C'est-à-dire que je suis reconnu, mais bon, les autres ils sont mieux reconnus que moi. Pourtant, je fais tout ce qu'ils me demandent. Enfin, bon, c'est pas grave. On va récupérer l'armée ici. Ah, j'ai du mal. Hein. Alors, on va récupérer toutes nos troupes. Bah, mais faut que je les reforme, mais faut que je reforme mon armée. Va falloir que je reforme mon armée parce que sinon. Les pauvres ils vont tous perdre la vie et puis c'est pas ce que je veux. Hop, voilà, comme ça mes navires avancent tranquillement. L'armée de Patavium augmente à 10 millions, c'est pas trop ce qui se passe. Bon là je vais pas me laisser faire parce que sinon en plus j'ai deux générales. Donc on peut agir largement. Ah, communiqué officiel avant de... Hop. Pouvoir attaquer. Allez, allons défendre notre ville. Oui. Dans cette vidéo. Ah putain. Je vais vous expliquer comment des milliers de personnes gagnent de l'argent sur Internet. Faut que je coupe. Voilà. Excusez-moi, parce que je suis sur le PC de ma mère et donc c'est vraiment un PC de merde et j'ai tout le temps des pubs qui s'affichent. C'est vraiment casse-couille. Ça m'empêche de jouer, ça m'énerve. Et je vous raconte même pas pour lancer le jeu. Pour lancer le jeu, il faut que je ferme une centaine de pubs avant parce que sinon ça marche pas. Et là, il y en a une pub vidéo qui est arrivée et qui m'a pourri mon son, donc ça m'énerve. Donc si vous avez un moyen de supprimer des pubs, dites-le moi, merci. Et oui, je joue sur le PC de mes parents parce que mon PC n'est pas assez puissant pour faire tourner Total War.
Donc c'est pour ça que vous partagiez les vidéos pour que je puisse m'acheter un nouvel ordinateur. Ce serait très sympa de votre part. Il me faut environ plus de 250 000 vues sur chaque vidéo. Donc faites ce que vous pouvez. C'est une blague évidemment. J'ai pas besoin d'autant de vues. Allez, on va envoyer les généraux à leur poursuite à la con et puis voilà. Pareil pour eux. Allez, vas-y, on emmène tout le monde au combat, et puis voilà. En même temps, les mecs, ils sont combien? Ils sont 20. Ils sont 20, j'ai 27. 27 unités. On va peut-être réussir à les battre hein, assez rapidement. J'aurais essayé de les battre sans perdre trop de. Sans perdre un général en plus, ça serait cool. Bon, on est toujours plus nombreux qu'eux. Oh non! Oh non! Putain, voilà. Voilà ce que je voulais éviter. C'est exactement ça en plus que je voulais éviter. Voilà. Ah bah non, j'ai perdu un fils alors. Voilà. Donc j'ai perdu 11 hommes. Et un portant en plus, ça me fait bien chier. J'ai perdu un membre de la famille, putain. Il renaîtra pas de ses cendres. C'était mon fils préféré. Il avait une bite tellement grande, il était digne de son père. Ah, qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise, hein? Personne n'a une bite aussi grande que moi. Bon, je vais arrêter les petites allusions perverses. Alors. Ah bah oui, mais je peux construire des trucs en fait. On va construire. Qu'est-ce qu'on va construire? On va construire un marché ici. Important les marchés. On va construire ici. Hop ça. Et mes statis se forment. Et c'est nickel. Et il faut que j'économise du pognon maintenant pour reformer mon armée aussi. Parce que mes troupes ont pris un sacré coup dans la gueule tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Non, c'était là. C'est dans l'épisode 2, ils ont pris un sacré coup dans la gueule avec l'attaque de Salona. Que je comprends pas pourquoi on a pris autant dans la gueule d'ailleurs. Donc, bon, ça, je sais pas, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, faisons débarquer notre armée. Voilà. Et maintenant, vous pouvez rattaquer le port de Patapi. Alors, vous, où c'est que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre là. Et vous allez vous faire reformer. Ah, on peut pas? Oh, les co. Ah, putain, je peux pas les faire former ici. Oh, les abrutis. Merde. Alors, bah du coup, bah vous allez vous faire reformer ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu veux venir avec nous aussi? Vous alliez là, putain. Ah putain, ils peuvent plus bouger, c'est con. Bon, c'est pas grave. On passe le tour. On ira les faire former au prochain tour. Ah, Rhaetium. Et après on ira montrer vite à Patavium parce que là ça va bientôt faire 10 tours et je les ai même pas assiégés. Il y a beaucoup de guerres hein. Ah, un nouveau fils. Un nouveau fils. Qui va être prêt à rejoindre la bataille avec moi alors. Ah voilà, nickel. Alors. Hop, vous tous, vous venez avec moi. Oh putain, puis en plus il y a ça là, fait chier, merde! Bordel!
chantier aussi, ça serait bien. Ici, une agriculture communale. Voilà, on construit tout petit à petit. Petit à petit, tout se construit. Hop. Alors, communiqué officiel. Pff, il me faudra qu'il y ait des fils qui naissent, ça serait cool. Bon. Ça y est, je peux la former mon armée maintenant? Oh putain de merde. Il me pète les couilles, il me pète les couilles. Hop. Vous allez vous mettre là-bas. Et vous tous là. Vous allez aller à côté. Voilà. Et vous allez vous faire reformer. En plus, je peux même pas tous les reformer, c'est pas grave. Hop. Déjà une partie qui sera reformée. Tant pis. Pour le reste. Mais après, on va partir à l'attaque. J'aurais bien essayé de faire la bataille là, parce que ça. Faire la bataille serait cool. Droit de commerce avec les Thraces, mais oui, pas de soucis. Bien sûr, nous pouvons commercer. Nos deux peuples sont faits pour vivre ensemble. Alors, voilà. On va pouvoir amener notre armée du coup. Hop. On va prendre tout ça. Et allez, à la guerre. Allez, on part en guerre. Et on va les obliger à faire une sortie à Patavium, parce que sinon je vais perdre beaucoup trop de troupes à l'assaut. Je préfère les obliger à. Oh non, bah non. Pas de bélier. On va les assiéger. Former ça peut toujours être pratique en plus. Extension de la suite. Voilà. Ok, nickel. Alors, tiens, bah il me manque un. Bon. Ah bah non, peut-être ici qui. Ouais, c'est ça en fait. C'est ici, j'ai un problème. Hop, voilà. On va pouvoir former quoi ici? On va former des égouts, un temple. Et ici, on peut construire quoi? Un marché, voilà. Toujours augmenter l'économie, c'est très important. Ici, on va construire une écurie. Voilà. Je vais essayer de les obliger à aller à l'attaque. Je sais pas si ces cons ils vont sortir ou pas. Moi, je tenterai la sortie. De toute façon, ils sont foutus. Putain, en plus, ils ont une grosse armée là. Oh, sûrement beaucoup de paysans. Sûrement beaucoup de paysans. Combien de toits? Putain, 7 toits avant reddition. Bah putain, j'ai le temps de construire des choses. Va construire ça ici. Alors, cessez le feu. Bah oui, t'as raison, toi. C'est vrai que t'es vachement en mesure de parler, toi. Hein? Les Gaulois qui me demandent de leur rendre une ville et d'arrêter les convois. Non, mais n'importe quoi. Je suis en train de vous assiéger, putain. Ah, eux, si vous voulez faire du commerce avec moi, ça m'arrangerait. Non? Non? Bon, tant pis. Hop, cérémonie de mariage. Ah, ça c'est bien. C'est très très bien tout ça. Des égouts sont faits. Nickel. Des égouts sont construits. On va commencer à faire la forge ici. Ah putain, niveau économie là ça commence à diminuer, je sais pas pourquoi. Bon, pas autant que les Gaulois à mon avis, mais bon.
Je pense qu'avec la prise de Patavium, on va gagner pas mal de pognon. Tout cas, j'espère. Bon, qu'est-ce qu'ils me veulent, les espingouins? Hein? Non? Ils veulent rien? Bon. C'est à nous. Bon. Toujours en train de les assiéger, hein, ils veulent pas se rendre. Ah! Deux Océnums. Oh putain, eux ils sont bien vus. Grand Pontife, c'est la plus haute faction, la plus haut magistrat qu'on puisse avoir. C'est les verts qui sont. Bon, après j'en ai deux. 5 tours avant reddition et il me reste combien de tours avant de faire ma mission? Sénat. Mission du Sénat. T'en restant un tour. Oh putain, je suis forcé de passer à l'attaque. Putain, puis j'ai pas fait de bélier comme un con. Ah, le Sénat il va pas aimer trop. Bon, pire si. Oh, puis le Sénat je l'emmerde. Voilà. Ok? C'est clair ou pas? Le Sénat, je l'emmerde. Voilà. On va faire une forge ici. Puis ici, on va lancer la construction d'un baraquement de miliciens. Puis on va construire tout doucement. À chaque tour, en fait, j'investis tout mon argent, comme ça au moins c'est sûr. On pourra pas me le voler. Puis j'ai tellement de pognon en fait. Là j'ai mes armées qui sont formées, du coup j'ai plus besoin de faire grand chose. Effectivement, je pourrais lever une plus grande, encore une autre armée, mais bon, ça sert à rien pour l'instant. Ouais, bah, mission du Sénat, de toute façon, je pouvais pas la régler. Donc, c'est pas bien grave. Je m'en fous. 4. 4 tours. Bon, ça se construit un peu partout. On va faire les écuries ici maintenant. Enfin, les écuries aussi là. Enfin, j'en regarde à Salono. Il reste plus rien à construire, il me semble. Non, plus rien à construire. Salonoz, elle va mettre du temps à se développer en plus. Comme j'extermine la population, pour la monter à 2000, ça va être chiant. Parce qu'elle est à 2,5%, du coup, ça fait, comme ils sont 500, ça fait. 5 fois 2, 10, 10 et 5, 15, 15 par tour. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent un cessez-le-feu, ces cons là? Hein? Arrêtez, les gars, arrêtez. En plus, ce qui est bien, c'est que quand vous faites un siège, bah, au fur et à mesure, vos unités perdent quelques troupes. Ce qui fait que ça va descendre un peu. Faire un blocus à Sparte. Bah oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je veux bien. Hein. Sparte, c'est ici. Ouais, voilà, c'est là. Hop, 4 tours. 1, 2, 3. Encore 3 tours après. Communiqué officiel. Ah, un nouveau fils est né. Enfin, est majeur. Ah, il est là. Marcus Julius. Oh, qu'est-ce qu'ils font, eux? Membre de la famille du Sénat. Mais qu'est-ce qu'ils branlent, eux? Pourquoi ils viennent là? Et on peut m'attaquer quand même. Hein? Oh. Vous pouvez pas attaquer vos alliés? C'est pas possible, hein? Normalement. J'espère. Si vous faites ça, je vous déteste. Pourquoi ils déplacent leur armée? Bah, le Sénat, il va pas m'attaquer quand même. Je perds pas. Tout de même. J'ai quand même du sang romain. Hein. Bon. Peut-être me défendre, ils viennent. Heureux événement. Ah, ça c'est bien. Alors. Toujours pas prêt à se rendre, hein? Bah non. Ah! Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, en plus j'ai mes alliés qui sont en renfort. Bah, alors là, les gars, on va vous mettre une branlée, mais une misère. Une misère, mon pote. Ah, un bon mari. Oui. Tu peux te marier, fils. Oh non, Faustina est morte. Faustina, c'est la femme du chef. C'est-à-dire que mon chef, il va bientôt mourir aussi de vieillesse.
Ah, je suis déçu. Lui, il aurait pu faire une bonne lignée encore, lui. Bon, là, j'ai quasiment plus de fils et filles. Faut que ça baisse, putain, pour qu'il fasse des gamins. Ben Dieu, ben Dieu. Allez, allez jusque là-bas. Hop, moi je reforme mes garnisons au fur et à mesure. Oh. Hop, on reforme tout. J'ai plus rien à construire, ni là, ni là. Voilà, nickel. Bon. Eh, pas bien, mais ils ont vachement descendu niveau armée là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Si c'est le siège qui les a butés comme ça, ils auraient dû la tenter avant, parce que alors là, ils ont plus aucune chance. Bah, ils vont tenter un dernier traité, non? Ouais. Avant d'essayer de défendre leur ville. Ouais, voilà. Ils sont plus que 300. Nous, on est presque 700. En plus, comme ils vont tenter la sortie, j'ai plus qu'à former mon armée autour de la porte. Enfin, autour. En face de la porte, et les archers vont les déglinguer quand ils vont sortir. Bon, j'ai pas assez d'archers, j'ai qu'une unité, mais bon. Ça fait toujours du bien. Oh, puis tiens, comme ça fait bah, ça fait déjà le temps nécessaire, donc bah je vais couper l'épisode les amis, et vous devrez voir la bataille dans le prochain épisode, qui sera du coup la semaine prochaine. Ah, je sens que vous êtes dégoûté. Je sens que vous êtes dégoûté. Et donc bah on engagera la partie directement avec l'épisode. On commencera la bataille dans l'épisode 4. Allez, à dimanche prochain, salut!